Salut. Donc voilà, deuxième épisode, on reprend directement. J'ai juste fait un cut entre le premier et le deuxième épisode, hein, parce que j'avais envie de jouer, de continuer à jouer. Donc c'est parti. On va sûrement retourner se coucher, je pense. Je crois que je vais boire du lait. Ça devrait m'aider à dormir. Pourquoi? Le lait, ça fait dormir, ça a des vertus somnifères. Où penses-tu aller, hein? Maman, je vais juste dans la cuisine pour prendre un verre de lait. Ça te va? Typique d'un enfant de 8 ans. Hé, j'ai 12 ans. Peu importe, dépêche-toi et file te coucher. Maman ne va pas tarder à rentrer et tu vas avoir des ennuis. Ne t'inquiète pas, je lui dirai que je devais finir mon paquet de cigarettes. Quoi? Allez, dépêche-toi, Lucia. C'est bon. Lol. Eh, ça fait des blagues. Ça fait des blagues sur le fait que ta sœur va mourir d'un cancer des poumons. Sans déconner. Il est où mon verre de lait, là? Y a pas de cuisine dans votre maison? Ah, d'accord. Comment je suis censé savoir qu'il y a une porte ici? Faites un effort, s'il vous plaît. Je me demande pourquoi cette gourde reste debout aussi tard. Ah oui, elle parle de sa sœur. Je croyais qu'elle parlait d'une gourde en plastique. Très bien. Elle ne fait rien d'autre que m'emmerder. Ah! Je devrais peut-être dire à maman qu'elle fume, mais elle parlerait du cafard à maman. Du cafard? Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à avoir un cafard comme animal de compagnie. Ils sont probablement plus propres qu'elle. Bon, je devrais aller au lit. Mais dis donc, c'est quoi cette histoire de cafard? Je peux entrer là? Je n'ai pas besoin d'aller dans la salle de bain. Elle est drôlement mal agencée, votre maison. Ah ah, le grille-pain. Je me souviens quand Sombri a mis ses mains dedans. Deux fois. Elle est très con, ta sœur, quand même. C'est de famille, ça se passe comment? Elle essayait d'attraper ses boucles d'oreilles. Quelle idiote. J'aurais bien utilisé cette tasse, mais si Sombri n'avait pas mis sa bave partout dessus. Berk, ça sent la cigarette. Pourquoi maman ne l'a pas encore remarqué? Je sais pas, peut-être que ta mère est morte. Eh, t'as entendu ça? Hein? On dirait la voiture de maman. Va au lit, vite! Oh, crotte! Eh, surveille ton langage, Lucia. Au lit, maintenant! Allez, je me tire. Ne me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Je devrais pouvoir dormir maintenant. Super. Je n'y arrive pas. Pourquoi je n'y arrive pas à dormir? Ben oui. Les lumières sont encore allumées. Je suis pire que Sombri des fois. Pourquoi il fait noir? C'est peut-être un fusible, enfin, je crois. Je sais que je vais avoir des problèmes, mais... Et puis zut. Maman! Mais... Maman? Ça doit encore être une farce de Sombri. Sombri! Sombri! Sombria! Super. Je crois que je vais devoir réparer ça moi-même. Et c'est là que toute l'horreur commence. Je suppose. Je peux pas aller lui piquer ses cigarettes, là? Je ferais mieux de ne pas entrer dans la chambre. Allez. On va mettre le cafard sous son oreiller. Oula! Je sens que Sombri a des problèmes. Sombri? Si c'est une blague, je vais le dire à maman. Tu m'as entendu? Je parie qu'elle veut que je suive le sang. Mais je ne suis pas assez bête pour tomber dans le panneau. Je suis sûr qu'elle est dans la cuisine. Ok.